Il y a encore des zones où les pompiers ne se sont pas rendus, ni la protection civile. Et c'est vraiment par l'initiative solidaire des citoyens que certaines personnes peuvent sortir de chez eux et peuvent recevoir de l'aide de tout type. Mais c'est vrai que il y a encore pas mal de doléances à ce niveau-là. Les secours sont complètement surchargés, dépassés par les événements et en manque d'effectifs. L'eau est complètement coupée, il n'y a pas d'électricité, il y a un besoin et une urgence absolue. Ce qu'on sait à travers la Société française de bienfaisance, c'est qu'il y a des Français qui ont été touchés et qui ont besoin d'aide, et d'autres Français pour lesquels on n'a pas réussi à se mettre en contact.